Incroyable révélation, Liam enceinte de jumeaux alors que son mari est toujours en prison. Pour quelques années, les bébés ont bien été conçus au parloir. Une révélation et annonce inattendue concernant le couple Liam et Christophe. Ce dernier est toujours incarcéré pour des faits graves. Le couple a déjà 2 enfants. Et cerise sur le gâteau, Liam est enceinte de jumeaux. Les bébés ont bien été conçus au parloir. La jeune maman est choquée par la nouvelle, mais contente, même si que son mari est encore en prison pour quelques années. La grossesse est à risque et pas évidente au quotidien, surtout que Liam doit s'occuper de sa première fille qui est handicapée et de sa petite dernière. Le couple espère un aménagement de peine avec les circonstances familiale actuelle. Alors, est-ce que Christophe quittera bientôt la prison ? Pour le moment, Liam n'a rien dit sur le sujet. Mais lors de son interview avec Jérém Star, la jeune maman avait expliqué que son mari se comportait bien en prison et travaillait afin de bénéficier d'une réduction de peine. Je vous laisse avec toutes les explications de Liam. Que pensez-vous de cette nouvelle ? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Coucou les filles, bon je fais une petite story pour vous expliquer, mais en fait ça fait un moment qu'on gardait le secret. Et voilà, on attend des jumeaux, je vous expliquerai mieux dans les jours à venir, etc. Comment je l'ai su, comment je l'ai annoncé à mon mari. Plein de choses. Et là en gros, en fait déjà les filles, des jumeaux, c'est une grossesse à risque puisqu'il y en a 2. Je vous expliquerai si c'est des vrais jumeaux ou des faux jumeaux, j'en reviendrai, je vais pas tout vous dire maintenant, on a le temps. Qu'est-ce que je voulais vous dire, bah déjà le truc c'est que quand Joy, bah, vous savez que Christophe c'est pas son papa biologique. Donc quand j'ai eu Charlie, j'ai fait des examens, etc. Plus poussés puisque ma fille est handicapée. Mais bon, c'est pas le même papa, Joy et Charlie. Là, c'est plus facile puisque ben, y a Charlie qui est là. Donc pour le généticien, etc., c'était plus facile. Puisqu'elle... je sais plus ce que je vous disais, les filles, juste avant, parce que ça a coupé. Du coup, ben, y a Charlie, donc c'est plus facile pour faire... tout ce qui est, pour voir que les bébés vont bien, etc. Vu qu'il y a Charlie, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre, ben, on est très contents. Je m'attendais pas à en avoir 2, je vous avoue que 2 c'était la grosse surprise. Ben, comme vous le savez, mon mari il est incarcéré. Donc il y en a plein qui vont se poser des questions. J'ai pas voulu le mettre sous ma photo puisque c'est quelque chose que je vais garder toute ma vie, cette photo. Et ben, j'avais pas envie de marquer prison, etc. Surtout sous cette photo, je voulais que ce soit un beau moment et une belle photo, un beau texte. Sans parler forcément de la prison. Donc je vous le dis là. Donc je veux pas qu'on dise que c'est un bébé parloir. C'est important que je vous dise ça. Parce que en fait c'est un bébé, oui, qui a été conçu au parloir. On va pas parler chinois. Mais je suis pas la seule. Après, comment vous dire ça, c'est pas si gênant. Mais en fait, je vous explique. Quand un bébé... Par exemple, il est conçu dans une maison. On n'appelle pas ça un bébé de maison ou de chambre. C'est un bébé, on a fait un bébé tout court. Donc pour moi, c'est un bébé tout court qu'on a fait. Enfin, 2 bébés qu'on a fait. Pour moi, c'est pas un bébé parloir. Oui, certes, il a été conçu là-bas. Pas là où mon mari est actuellement, celle d'avant. Mais ça reste un bébé tout court, quoi. Pour moi, voilà, c'est... je suis enceinte et... Après, peu importe où il a été fait, prison ou pas, ça reste un bébé, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Tant que vous avez un enfant, vous dites pas c'est un bébé de chambre, quoi. C'est un bébé tout court. Donc voilà. Donc j'aime pas ce terme-là, bébé parloir, même si beaucoup disent ça. Je sais que ça se dit beaucoup, c'est un bébé parloir et tout, parce qu'il a été fait en prison, mais c'est un bébé d'amour quand même. Ça change rien pour nous qu'il a été fait là-bas. Après voilà, 2, c'est vrai que c'est... Après c'est vrai que 2, c'est inattendu, je vous avoue franchement. Que 2, j'étais sous le choc. Et encore à l'heure actuelle... J'ai du mal à croire que j'en ai 2. Genre, vraiment, ça me fait trop bizarre. 2. Mais voilà, je reviendrai un peu plus tard, demain ou après-demain, vous expliquer un peu plus tout, comment j'ai su les 2, enfin tout. Et voilà, c'était juste pour vous faire une petite parenthèse par rapport déjà au bébé parloir, etc. Et voilà. Voilà, les filles.
Donc, je suis contente de vous l'avoir dit parce que je me cache. Je mets que des trucs larges. Donc, des fois, ça se voit, des fois, ça se voit pas. J'ai dû changer toute ma garde-robe parce qu'il n'y a plus rien qui me va. Je reviendrai sur le poids que j'ai pris parce que j'ai pris beaucoup de poids. Voilà, je vous montre vite mon ventre. Je vous montre. Voilà, les filles. Ils sont bien là. Oui, mon amour. Et voilà les filles, hein. Donc maintenant je me cacherai plus parce que aussi autre chose, je vais faire une autre story sur ça parce que j'ai pas enregistré tout ce que je vous ai dit. Il y a beaucoup de gens qui m'ont croisé. Déjà j'ai reçu pas mal de messages en me disant oui félicitations pour ta grossesse et tout, parce que je vous ai dit parfois ça se voit, ça dépend comment je m'habille, mais j'ai essayé de mettre des trucs le plus large possible pour que ça se voit le moins possible. Enfin avant que je vous le dise quoi, maintenant que je vous l'ai dit, je vais pouvoir m'habiller, montrer quoi. Et qu'est-ce que je vous disais? Attendez, là, je suis perturbée de vous l'avoir dit, mais je suis contente parce que je suis libérée. En fait, si vous voulez, j'aurais voulu attendre le plus longtemps possible. Parce que déjà, pour vous, ça va vous paraître super long. Comme pour mes deux premières grossesses, je l'avais dit tôt, donc ça paraissait super long. Alors que non, une grossesse, c'est 9 mois. Bon, là, pour les jumeaux, du coup, j'accoucherai un peu plus tôt. Mais je vous en dirai plus, je vous ai dit, au fur et à mesure du temps. Et voilà, déjà, je vous l'ai annoncé, je suis contente. Je vais pouvoir ne plus me cacher. Voilà. Et dernière chose, les filles, je voulais remercier deux personnes en particulier parce qu'ils ont gardé le secret avec moi et j'ai beaucoup apprécié parce que ben ils auraient pu le dire. Et en fait, déjà, je me sentais entre guillemets obligée de le dire assez rapidement parce que ben, ça commençait à se savoir, les gens, je vous ai dit, me croisaient dans la rue, etc. Puis bon, avec mon mari aussi, on voulait l'annoncer, mais j'aurais pu attendre encore un petit peu. Mais je recevais, je vous ai dit, beaucoup de messages qui me disaient « Je t'ai croisé dans la rue, félicitations, etc. etc. » Et il y a surtout, je voulais remercier Wassim TV. C'est mon